Vous savez quelque chose? Quand j'étais jeune petite gamine, on me parlait des précautions universelles. Au jour d'aujourd'hui, on me parle des précautions standards. Et même dans cette histoire de précautions standards, dans certaines situations, il faut ajouter d'autres précautions. Moi, chacun des personnes sont de ces précautions. Priez pour moi. Précautions. Fatigué. Qui m'était? On l'a pas bon. Ouh, attends, bon lever ça bon. On l'a pas bon, on l'a pas oh, bon. Oh. Oh là là. Ah, nous. Ouais. Ouh, papa. Papa a bien respiré. Attends. On l'a pas bon. Quand j'ai médecin là-bas. D'accord. À l'éternel. On l'a pas bon. Ici, Lédé. Oui, amène le médecin là-bas. Qu'est-ce qui passe, M. Lenné? On l'a pas bon. Ça va pas? On n'a pas bien respiré. Respire à la bouche ouverte. Aide-moi à le remettre. Attention. Doucement, M. Lenné. Bon, on a peut-être une suspicion de tuberculose, là. On va le transférer au centre hospitalier pour pouvoir faire des analyses. D'accord. Ok. Voilà. À tout à l'heure, M. Lenné. Bon, il faut absolument qu'il reste dans sa chambre. D'accord, docteur. Faudra informer les membres de l'équipe. Hein? D'accord, docteur. D'accord? Oui, docteur. Ainsi que la famille. Et on va mettre en place les protocoles de conduite à tenir, quoi. D'accord, docteur. Tout de suite, je m'en occupe. OK. Monsieur Lenné? Oui. Vous avez peut-être la tuberculose. Je vais vous transférer au CHU de Pointe-à-Pitre. D'accord, docteur. En attendant, vous ne quittez absolument pas la chambre. D'accord. D'accord? D'accord. Nous allons devoir prendre des précautions. Ok. Monsieur Lenné, bonjour, Robitain. Oui. Maladie en là. D'autres mouns peut traper. Faut mettre en masse. D'accord. Là où en chambre là, pas vous mettre. Mais là où qu'à sortir, faut mettre. D'accord, infirmière. Autant? D'accord, infirmière. Bon, ok. D'accord. Transport, allez. Ok. Tiens, dis-moi, tu viens prendre un café avec nous? Mais non, là, je peux pas. Il faut que je prépare le dossier de M. Lenné. L'ambulance arrive. Bon, oh, ben, pas grave, c'est comme tu veux alors. Ouais, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Entrez. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus chercher M. Lenné. Ah oui, d'accord. Voilà sa feuille, il est dans le couloir. Hein? Il est dans le couloir. Oui, d'accord, oui, pas de problème. Merci. Allez, au revoir. Okay. Au revoir. Mais comment? Pourquoi elle porte un masque? Ils nous ont rien dit, hein. Ah bon? D'abord, Bouillonne, au départ de l'action, les médecins et les infirmières ne portent pas les bons masques. En plus, les ambulanciers ne sont pas avertis. Et quant à l'infirmière, elle dit les résidents dans les couloirs. Hein? Où est-ce que tu as déjà vu ça dans ta vie? Où est-ce que tu as déjà vu ça? Où est-ce? Mais c'est Lenné. Qu'est-ce qu'il fait, on? Fatigué. Qui m'était? On l'a pas bon. Ouh, attends, bon lever ça bon. On l'a pas bon, on l'a pas bon. Oh là là. Ah nous. Ah ouais. Ouh, papa. T'as l'air.
On va bien respirer. Attends. Ah ouais. Ah, quoi là, pas bon. Ah, je vais là-bas. D'accord. Ah, quoi là, pas bon. Allez, t'es honnête. Monsieur Léné, oui, amenez le médecin là-bas. Qu'est-ce qui est passé, monsieur Léné? Quoi là, pas bon. Ça va pas? On va pas bien respirer. Respire à la bouche ouverte. Aide-moi à le remettre. Attention. Doucement, monsieur Léné. Bon, on a peut-être une suspicion de tuberculose, là. Mm-hmm. On va le transférer au centre hospitalier pour pouvoir faire des analyses. D'accord. D'accord. Ok. Bonjour. Je... Voilà. À tout à l'heure, monsieur Léné. Bon. Il faut absolument qu'il reste dans sa chambre. D'accord, docteur. Ferme la porte, hein, derrière toi. Il faudra informer les membres de l'équipe. D'accord, docteur. Ainsi que la famille. Oui. Et nous allons mettre en place les précautions R. Tout de suite, docteur. D'accord? Je m'en occupe. Ok. Monsieur l'aîné, vous avez peut-être la tuberculose. Je vais vous envoyer au CHU de Pointe-à-Pitre, d'accord? En attendant, vous ne quittez pas la chambre. Vous avez compris? Vous ne quittez absolument pas la chambre. Très bien. Monsieur l'aîné, bon du contibitain, maladie à là, d'autres monde peut attraper. Comprendre? Alors, il faut porter un masque. Mais, comme ça. Là où on chambre, pas vous mettre. Mais là où on sorti de là, faut vous mettre. D'accord. Vous comprenez? D'accord, infirmière. Bien comprendre, hein? D'accord. D'accord. Attends. Chercher monsieur Léné. D'accord, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, il faut que je vous prévienne, monsieur Léné est en précaution R. C'est-à-dire qu'il doit absolument porter un masque chirurgical pour quitter sa chambre. D'accord. D'accord. Et ceci tout au long du transfert, hein. D'accord. Qui c'est qui s'assied à côté de lui dans l'ambulance? C'est mon collègue. Bon, alors vous, monsieur, vous devez absolument porter ce masque-là tant que vous êtes assis à côté de lui. D'accord. D'accord. Tenez, d'accord. Je vous le donne. Hein? Merci. Voilà. Bon, parce que c'est une protection respiratoire pour vous. Hein? D'accord. OK. Alors, je vais vous donner votre bon de transport pour la précaution médicale. Hein? D'accord. Voilà. Je vous donne la fiche de liaison, voilà, que vous devez absolument remettre à l'équipe soignante. L'équipe soignante. D'accord? D'accord. Et je vous donne aussi le dossier du patient. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le patient nous attend dans sa chambre, la chambre 61. Mmh. Je vous accompagne. D'accord. OK? Monsieur Léné, les services sont là, venus chercher, hein? Bonjour, monsieur Léné, bonjour. Bonjour, monsieur Léné. Ça va? Bon, ça y est. Merci, monsieur. Monsieur Léné, il y a quand même une erreur au CHU. Mais il faut moi mettre masse là-bas. D'accord? Hein? À réinstaller, ouais? Ou que garder ça pendant tout le temps où on avait cet ambulancier là. D'accord? D'accord. Ok. Allez-y, messieurs. Monsieur Léné, tu pourras passer du lit au brancard? Ok, essayez. D'accord. Mais il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Doucement, on n'est pas pressé. Voilà. Voilà. Okay. Voilà. Doucement. Relève-toi. Je relève la tête, monsieur Léné. Vous bien installé là, monsieur Léné? Ouais. Ça va, c'est bon? C'est bon? Ouais. Okay. Bon, on y va, monsieur Léné.
Je vais vous ouvrir la porte, monsieur. D'accord. Au revoir, monsieur l'aîné. À tout à l'heure. Allez, au revoir. Ok. Eh bien voilà, informer le risque à gérer. Pour tout germe dont la transmission se fait par de petites particules aérosols émises par la respiration du malade et pouvant de ce fait aller se loger jusque dans les alvéoles pulmonaires d'une personne saine, exemple tuberculose, rougeole, le malade doit être en chambre individuelle, porte fermée. Le personnel et les visiteurs doivent porter un appareil de protection respiratoire de type FFP2 avant d'entrer dans la chambre. Le malade porte un masque chirurgical s'il doit sortir de sa chambre. Ces précautions arrivent en complément des précautions standards qui gèrent le masque chirurgical porté par toute personne qui présente une toux d'origine infectieuse.